Bon les amis, ça y est, j'ai enfin réussi à créer le réacteur à propulsion qui va nous permettre tout simplement changer de galaxie. Pour cela, on appuie vers le bas et comme vous pouvez le voir, ma région massotakugame.fr. Ouais, je peux voir un peu plus là où je suis par rapport à l'univers. Voilà. Est-ce que je peux aller très loin? On peut suivre une ligne. Mais je peux pas vraiment aller où je veux. Trois planètes, bof, non. 5 planètes, une lune. Ça me tente bien d'aller dans cette galaxie là. Ah, apparemment, je ne peux pas y aller. Ah, ça c'est en mode exploration libre. C'est un peu beaucoup immense, dites-moi. Une planète? Ah non. Une planète, je veux pas. Une planète aussi, bon. 5 planètes. Je veux aller là. Ah, trop éloigné pour sauter. Bon, en fait, je suis trop loin pour aller. Je peux pas aller jusque là. 6 planètes. Bon, c'est tout près, mais bon. Là aussi, je peux aller. 3 planètes. 6 planètes. Trop éloigné pour sauter. Soit on va là où il y a 3 planètes. Il y a 6 planètes, on va aller là, c'est juste à côté. Ça me fait un peu chier, mais bon. Et hop, c'est parti pour l'hyperespace, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'en réalité, sans l'hyperpropulsion, c'est impossible de sortir. Enfin, c'est possible, mais ça doit prendre des années. Et je rigole pas, hein, pas en d'années réelles, pour sortir de l'environnement où j'étais. Alors, à quoi ça va ressembler ce nouvel endroit? Suspense, suspense. Ah d'accord, heureusement que j'ai pas été à 4000 km non plus quoi. Enfin. Oula. J'ai pas vu un truc passer, un vaisseau. Très étrange ici. On peut scanner là de là, non? Je sais pas ce que vous en dites, moi ça me tente bien d'aller voir la petite planète en premier. Allez, c'est parti. On y est dans 45 secondes. Ça va, c'est raisonnable. 38 secondes. En attendant, on peut discuter du jeu et... Ouais. Moi, personnellement, je suis pas très très patient. Donc, en général, voilà. Par exemple, là, je dois prendre 45 secondes pour arriver à la planète. Et pas mentir, pour moi, ça ressemble à des temps de chargement déguisés. Voilà. Maintenant, je sais qu'il y en a qui sont explorateurs dans l'âme et qui vont vraiment apprécier. Ah bah tiens, je peux commencer à scanner. Ah, installation de production détectée. C'est très loin ça. Ah, apparemment...
Ce serait beaucoup plus intéressant d'aller là. Hop, on va relancer l'hyperpropulsion. Je suis désolé, hein. Oula, dans une minute carrément. Non, mais là, par contre, ça me semble être beaucoup plus intéressant que ce que j'allais faire. J'allais arriver sur une planète et rien faire de spécial. Alors que là, apparemment, il y a une unité de production extraterrestre. Je sais pas vraiment ce que c'est. Mais bon, je propose justement qu'on y aille pour voir ce qui s'y passe. Hein. Il y a une station spatiale pas très loin. Elles sont intéressantes, des stations spatiales, parce qu'elles permettent d'acheter des nouveaux éléments. Notamment pour le vaisseau, mais également de rencontrer des extraterrestres, d'acheter des nouveaux vaisseaux. Même si ça coûte extrêmement cher. Et pour gagner de l'argent, il faut faire des découvertes. Et les découvertes en question, il faut les partager avec la communauté. Ah, on arrive dans 4. Ah, c'est sur cette planète-là, d'accord. Ah yeah, on y arrive. 24 secondes, on va accrocher en mode turbo quand même. Hop là. Voilà. Ça prend encore 40 secondes. Non, mais... Ah si, ça prend encore 40 secondes. Ah là là, attends, tirer, boum. Ça a l'air bizarre, hein. Je vais scanner l'environnement, voir ce qu'il y a. Sauf que mon vaisseau se traîne. Il y a des installations pas mal à côté là, là. Mais nous, on va là-bas. À la limite, l'air habité, cette planète. Ah là. Pile dessus. Ça n'aura même pas marché. Hop là! On va commencer par sauvegarder. Le jeu a planté. Enfin, il a micro-planté. Ah! Restaurateur de santé, surtout. Ah, je croyais que c'était du plutonium là pour décoller. J'en ai marre de chercher à chaque fois du plutonium. Bon, elle ne se détruit point. Et c'est fermé. Par contre, là-bas, j'ai cru voir. C'est quoi ça? C'est juste une pierre. Alors, on va passer un peu de plutonium. Je pensais que ce serait intéressé, mais je vous avoue que là, je suis... Il n'y a même pas de carbone sur la planète. On va me retrouver comme un con, surtout. Qu'est-ce donc que ce truc? Appeler le vaisseau. Il y a des trucs peut-être d'appeler le vaisseau, faut juste construire. Alors, on va se faire une puce. Voilà, on va se créer une puce de piratage. Voilà, on va la foutre là-dessus. Ah ! Voilà qui est cool. Je pensais qu'elle est loin cette planète là-bas. J'ai pas envie d'y aller. On va visiter un peu cette planète là, mais sans descendre du vaisseau. Il y a une couche. Qu'est-ce que c'était ce truc là? Je me demande si c'est pas du. De l'iridium.
Comme je vois qu'on en a souvent besoin dans le jeu, si c'est ça, je vais la récupérer. Tout à l'heure, j'ai trouvé plein d'or aussi, si c'est bien... Il me semble bien que c'est de l'iridium, ça. Oh putain! Ouais, c'est pas trop le moment de faire le con, là. Il est où, le vaisseau? Essayer d'atterrir dessus, en fait. Alors, j'ai atterri où, là? Ah bah j'étais juste dessus. Ouais, est-ce que j'ai encore... du carbone? Ça marche au plutonium, en fait ça marche avec tout ça. Tu sais, il y en a plein dans l'espace, hein. Ah. J'ai un peu peur de perdre mon vaisseau. Ok, c'est exactement ce dont j'avais peur. J'ai trouvé un moyen de remonter à mon vaisseau là. C'est pas l'idée du siècle, hein. Je suis gourmand. Je récupère de l'iridium. Bon, ça y est. On va éviter de se casser la gueule. Et... on va aller sur cette planète là. Hop là. Oula, il y a une interférence planétaire. Dès qu'on va en sortir, dès qu'on va sortir du bord de cette planète, en fait, je vais jamais en sortir. Je vais remonter un peu dans le ciel. Ressortir. Ah, là, ça devrait le faire. C'est parti! On arrive dans seulement 15 secondes. Je suppose que là où j'étais, c'était la lune de cette planète. Qui va être un peu plus intéressante que ce qu'on a vu normalement. Hop là! Nous y voilà! Alors, qu'y a-t-il d'intéressant ici? Je ne vois rien d'intéressant. Je vois juste que je ne sais pas piloter. Mais des fois, le vaisseau a vraiment des réactions bizarres, hein. Hop, on va atterrir là. Hop. Encombré de quoi? Qu'est-ce qu'il me fait? Je veux pas me laisser atterrir. Ça a l'air intéressant, ça, là. On va essayer d'atterrir juste là. Il y a un petit carré d'iridium.